Oui, bonjour, donc Vincent Cotler, je vous présente l'ASBL Le Hangar, ASBL qui est située sur le territoire de la ville de Liège où on organise régulièrement des expositions et des concerts. Donc vous êtes ici dans le cadre du marché de Noël, enfin l'autre marché, objet d'artiste, que l'on fait depuis 2004. On est allé à l'initiative de ce type de marché alternatif où une vingtaine d'exposants, soit des artisans, soit des artistes, viennent présenter pendant tout le week-end leur travail. Alors c'est une ASBL qui a été créée par cette activité, en fait par l'autre marché de Noël. Et depuis lors, on organise des concerts et des expositions pratiquement toutes les semaines. On ouvre 10 mois par an et on fonctionne comme ça depuis 2004. Alors, c'est clair qu'en 2004, c'était le début du grand marché de Noël, enfin, depuis quelques années, place du marché, et les artistes qui n'avaient pas nécessairement les moyens de se payer un chalet sur la place du marché ont décidé de pouvoir faire un marché de Noël alternatif, c'est-à-dire avec peu de moyens, avec le côté flonflon peut-être en moins, et être plus porté sur la création artistique que sur l'artisanat, et en tout cas plus sur des petites pièces pas trop chères qu'on pouvait acheter. Alors on n'est pas vraiment en opposition évidemment avec un marché de Noël comme celui de Liège qui est une force pour la ville, mais je pense que c'est un lieu qui a sa place à côté de l'autre marché. Ce marché de Noël, c'est simple. Les années 2010, 2009, etc., je faisais toujours partie d'autres marchés de Noël. Et on s'est dit cette année, puisque ça ne marchait pas comme on avait envie que ça marche, elle me dit, on va en organiser un. On n'a qu'à le faire nous-mêmes si on n'est pas content. Voilà. Noël, enfin, ici à l'envers. Donc, on a demandé à plein de gens autour de nous. Continue. C'était facile. Voilà.
qui présentent leurs choses, les choses qu'ils font, que ce soit des gravures, que ce soit des bijoux. Tout ce qu'on fait de ses mains, donc même à manger, du pain, avec les abeilles, du miel, donc des biscuits produits, avec des épices. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Et voilà tout le monde qui est là. Voilà, et il fait chaud. Et il y a de la musique. Je vends, dirais volontiers sur ses genoux douillets. Et dans des contractés, bon, ce qu'on veut, c'est pas pousser à la consommation, on veut juste pouvoir proposer, avoir le plaisir de proposer les choses qu'on fait de nos mains et aider les autres à le faire. Et voilà, c'est pas une logique de s'en mettre plein les poches, c'est une logique de s'en mettre de plein de joie. De convivialité, moi voilà, je de convivialité, ouais, de s'amuser ensemble. Voilà. Voilà. Et la moinette est délicieuse, voilà. Et il y en a plein le frigo. Et comme tout s'est fait la vie, se déresse pour un lieu de l'enfant, maigrit pas le plus lent, puis se manger jusqu'où après ne pas baler. Cela serait, mais il fait si frisquet. Adjo. Oui, pour l'envers, merci à Adjo. Ouais. Nous, on adore le lieu, on y vient souvent, il est chaleureux, oui. Il est varié. Et justement, pour exposer, c'est bien parce qu'il y a plein de petits recoins et chacun y trouve sa petite touche à la soie. Bonjour, alors nous sommes le 21 décembre 2011, place Vinavdil, pour le Noël alternatif. C'est pas un marché Noël alternatif, c'est un rassemblement alternatif du Noël, quoi. Et alors, en quoi ça consiste? Ben voilà, quoi, c'est simplement une réponse à un cri que les gens ne poussent même pas, mais qu'on pressent, quoi. C'est un cri que les gens ne poussent même pas, mais qu'on pressent. Et donc, ce cri, c'est une demande, quoi. C'est une demande, et la preuve, la réponse est là. C'est la troisième édition. La première année, nous étions 80, la deuxième année, on était 200, 250, et cette année, je crois qu'on va être beaucoup plus. Hein. Donc en fait, voilà, c'est simplement un rassemblement spontané, et je peux dire, c'est même une action citoyenne, quoi. Voilà, c'est simplement, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'organisateur, c'est un peu rock'n'roll, mais c'est un rock'n'roll vraiment géré, quoi.
En fait, on voulait répondre par rapport à... Nous, on n'est pas contre le marché de Noël, les gens qui se font du pognon au nom de la fête. Mais s'ils font ça au palais des congrès ou au le défaut de Courmeux, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans nos rues, dans nos lieux publics. Et nous, on veut reprendre ça. Buongiorno. Vous aussi, vous en avez marre de consommer comme des cons. Ouais. Ici, tout est gratuit. Rien à vendre, rien à acheter. Tout à partager, messieurs. Donc là, il est temps de se réapproprier nos lieux publics, nos fêtes et notre convivialité. Nous situons en fait en plein quartier d'Outremeuse, dans une petite ruelle piétonne qui s'appelle la rue Beauregard. Et donc depuis 7 ans s'organise dans cette ruelle un marché de Noël, 2 semaines avant les grandes fêtes. Marché dans lequel nous invitons en réalité des artistes et artisans à exposer chez l'habitant, puisque nous sommes une petite dizaine de propriétaires de la rue à accueillir des artisans, céramistes, sculpteurs, graveurs, principalement des plasticiens, à proposer leurs œuvres. L'initiateur de cette manifestation est Jean-Marc Fauconnier, qui donc, il y a 7 ans, a décidé lui-même en tant qu'artiste d'accueillir des gens chez lui pour montrer son travail. Lui, il est graveur, mais aussi musicien. Et donc, ça a fait un peu tache d'huile et les amis de la rue, du quartier, ont décidé de prolonger son idée et d'accueillir ainsi chaque année chez eux une partie donc des artistes amis de Liège. Oui, donc en fait, ce marché a un côté assez convivial, assez intime, assez chaleureux, puisqu'on accueille directement les gens chez nous. Et c'est vrai que par rapport à des marchés, je dirais, de plus grande envergure, ceci a le mérite de peut-être
proposer plus de simplicité dans l'approche des artistes, puisque les gens qui rentrent dans les maisons peuvent vraiment dialoguer avec les artistes, peuvent s'intéresser aux techniques qu'ils utilisent. Donc cette initiative conserve une certaine part de pratique traditionnelle, je dirais. Nous nous trouvons ici à la galerie Clair-Obscur. C'est une galerie d'art qui se trouve rue Trappé numéro 8, à Liège, près du centre, donc en plein quartier Saint-Gilles. Pour le moment, nous organisons un marché de Noël qui devient une tradition chez nous. On a débuté ce marché de Noël pour la première fois en 2009. Il revient donc chaque année, plus ou moins à des dates fixes, qui sont le premier et le deuxième ou parfois le troisième week-end de décembre, en préambule des fêtes. Ce marché est un marché artisanal. On trouve dedans que des articles faits par des artisans ou des artistes. Donc nous excluons tout ce qui est produits commerciaux. Don't want no Christmas tree. All they do is needle me. No mistletoe, don't need no place to go. Just wanna stay at home and disconnect my telephone and have a cool Christmas and a very happy new year. Nous avons opté pour cette formule, primo parce que nous sommes une galerie d'art, donc ça tombe sous le sens qu'on reste dans le même domaine qui fait partie un peu de nos activités qui sont de la promotion artistique. Et donc chaque année on fait un appel aux artisans et aux artistes pour participer à ce marché de Noël et venir présenter leurs produits et les vendre sur nos stands.